Crunchies. Aujourd'hui, je suis partie à Asia Market. Excusez ma voix, j'ai encore la double angine blanche. J'ai pris un carton de 30 yum yum à la crevette, des feuilles d'algues. J'ai pris des poké, alors il y en a un pour Sephora, un pour Aaron. Tombé sur ça, je vais goûter, on va voir ce que c'est. Noé a kiffé quand je lui ai fait goûter la dernière fois. Du coup, il y en a un pour Sephora, un pour moi et un pour Noé. PSP aux graines de basilic. Sephora veut goûter le coca à la vanille, du coup elle l'a pris. J'ai repris un Kato au melon. C'est les grains comme ça, au citron. Ma pâte de chili frit. J'ai pris du Zouane, ça vous mangue. J'ai pris ma sauce huître que j'utilise d'habitude pour faire tous mes plats. J'ai pris plein de paquets de feuilles. Noël qui fait, elle a repris. C'est Sephora qui a choisi. C'est les mêmes choses que je lui prenais avant quand elle était petite, mais je lui prenais en petit paquet. Du coup, là, elle prend en gros paquet. Ça, c'est pour faire une vidéo de tcha-tcha-miam. Les boules d'ac qui piquent. Noé s'est pris des chewing-gums à la pastèque. C'est méga bon, ça là. Des poissons fous au chocolat. Du coup, j'en ai pris 5. Parce que quand on mange des nouilles, c'est toujours bien d'avoir la cuillère pour boire la sauce, t'as vu. Du coup, voilà. C'était 1,20€. Merci Noé. Voilà les prix. Pour un total de 96,51. Hey! C'est la suite de la vidéo. Je suis partie à Auchan. J'ai fait 2-3 courses. Là, j'ai pris principalement les goûters. Alors, c'est pour Aaron ça. C'est pour Aaron. Les brioches. Ça, c'est Aaron qui aime ça. Il aime pas les marques, il préfère celle-là. Ça, c'est bon. Hein. Ça, je compte faire un ragoût. Avec ça, pour des aubergines et des courgettes, je vais faire un ragoût demain midi. Ils mettent ça top budget, hein. Ils mettent ça top budget, mais il n'y a pas le genre en marque, il n'y a pas. C'est les aides dedans, c'est toujours top budget, je sais pas pourquoi. Du coup, j'en ai pris 3. Du café. 3 ou 4, je sais plus. Ça, c'est mon goût. Mais comme en ce moment, j'ai encore la double angine blanche, je vois souvent des youtubeuses manger ça, des youtubeuses coréennes. Du coup, je vais tester, on va voir ce que ça donne. La nuit, t'as vu qu'on se met des films. Des Kinder Joy. Le lot de deux, le mix-up. C'est un mélange de nouilles, enfin nouilles machin, des 3D, des fritelles, et ça, je sais pas c'est quoi, des grits. Le goût de Noé, c'est ce qu'il a choisi. Ça, parce que Aaron, il adore ça, du coup, j'ai pensé à lui. Les Monster Munch. Parce que c'est le goût d'Aaron. Des Smarties, parce qu'on adore ça. J'ai pris des côtes de porc. J'en ai pris 2. Il y en a, ça fait 10 au total. J'ai pris aussi des lions. C'est que des mini, hein, parce que c'est. Je trouve que c'est mieux. Hello les Frenchies. J'ai été faire mes courses un petit peu à Lidl. Oui, comme vous le savez, je fais mes courses un peu partout. Là où ça m'intéresse, en fait, où j'ai mes goûts. J'ai pris des beignets comme ça, un pour Sephora, un pour Aaron. Il y en avait un aussi pour Madaron, elle l'a mangé, elle est partie avec. Ça, c'est Noé qui a choisi. Ils sont bons ceux-là. J'ai pris 3 paquets parce qu'Aaron il a des goûts bizarres. Il est assez difficile. Donc, quand il y a un plat qui ne plaît pas, on coupe 2 saucisses, on les met dans des spaghettis ou du riz. Et voilà, ils mangent. Une baby pastèque pour Noé. Un sugar baby pour ma gueule. Sans rayon, j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je vais goûter. Non, je vais goûter. Alors c'est bon. Cookie doux. Maman. La pastèque, le melon. Ça, c'est une mini pizza, je crois. C'est Noé qui a choisi. Que plus de gel douche, du coup, j'en ai racheté. J'ai acheté un paquet comme ça, mais comme je sais que ma mère elle aime shipper mes chewing-gums, du coup j'ai pris aussi un paquet
Elle l'a déjà mis dans sa voiture. Des sucrètes, parce que je préfère les sucrètes au sucre. Des clémentines, parce que Aaron adore ça. Tout le monde le sait, c'est son fruit préféré. Avec la banane. Des briques de lait au chocolat. Ne venez pas me juger, mes enfants n'aiment pas le Candia. J'ai essayé de leur faire goûter plusieurs fois, ils détestent, ils préfèrent cela. Voilà, un bon poulet rôti. J'ai pris des briquettes de jus d'orange. Du coup, j'ai pris à l'orange et à la pomme. Parce que mes enfants, ils préfèrent cela à toutes les autres marques. Eh oui. Du coup, j'en ai 4. 2 à la pomme et 2 à l'orange. Je suis partie à Picard. J'ai pris ces glaces-là parce qu'il fait chaud. J'ai extrêmement chaud et les enfants aussi. Du coup, je leur ai pris des glaces. J'ai pris ça. C'est mon goût préféré. Du coup, j'en ai pris 2. Voilà. Des trésors. Il y a le rouge et il y a le bleu. Déjà posé là-bas. Voilà. A few moments later. Je n'ai pas le pot Dove en pot. Du coup, j'ai pris cette crème-là. Erreur. C'est une crème qui donne les mains noires. En gros, cette crème-là, que vous voyez ici, c'est fait pour les gens qui veulent être bronzés. Donc, c'est une crème auto-bronzante, en fait. Du coup, j'ai vu qu'Aaron, il avait noirci, Sephora avait noirci, mes mains, elles étaient complètement oranges. Donc, bah, je suis partie au magasin et j'ai racheté la crème que je voulais, quoi, la Dove. En plus, c'était 5€ pour rien, wesh. Mèche d'expression couleur marron pour Sephora, j'en ai pris 4 paquets. Normalement, 3 paquets suffiront, mais on prend toujours un paquet en plus, vous savez, en cas de qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas besoin de retourner au magasin, on a un paquet en plus. Ma botte de marche qui est là pour mon pied cassé. Alors je vais la déballer puis je vais vous montrer ce que ça donne sur le pied. Parce qu'en vrai, t'as l'infirmière qui est passée hier pour me faire les injections ce matin encore et ce sera comme ça encore pendant 45 jours. Donc. Et c'est balèze, hein. C'est ça là. C'est énorme. Ça là, ils disent que je suis obligée de porter ça là pendant 45 jours là. Oh, le pied il se met comment là-dedans là? Ah, il se met dedans comme ça directement. Ok, attends qu'on regarde le truc. On met le pied, hein? Dis quoi? On ouvre, on met le pied directement dedans en dessous de la chaussette. Je croyais qu'on mettait en fait, on met le pied entre ça et ça. Ça, c'est une espèce de mousse. Je croyais qu'il fallait ouvrir ça et mettre le pied là-dedans. Ben non. Bon, je desserre tout directement, on va voir ce que ça donne. Hein. Attends, ah, ça c'est pour tenir les chevilles, la cheville et tout ça. Ben non, si, on met le pied dedans, en fait, hein. Ah, il faut mettre d'abord la mousse sur son pied. Ok, donc. Voilà. Ma botte de marche. Pendant... Là, pendant d'abord une semaine, j'ai rendez-vous encore mercredi pour faire une radio pour voir si mon os se consolide bien. Et si c'est bon, bah, on continue comme ça 45 jours. Si c'est pas bon, bah, on passe à la chirurgie et au plâtre. What the fuck? À cause de mon pied, je dois me faire piquer tous les jours, tous les matins. Et hier... La dame qui est venue hier pour me piquer m'a fait une espèce de bleu là. C'est encore gonflé.
C'est encore gonflé. Regardez pas les poils. On s'en fout. C'est naturel. Hein? Laissez mes poils tranquilles. C'est naturel. La femme qui m'a piqué hier m'a fait un putain de bleu. C'est encore bien bombé. Salut, Aaron. Mais la situation.